Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir cette rythmique blues dans la tonalité de si bémol majeur. Alors avant tout, comme toujours, rendez-vous sur instinctguitare.com en dessous de la vidéo pour télécharger les tablatures que vous trouverez au format PDF et éventuellement au format GP si vous utilisez le logiciel Guitar Pro en version 7 ou 8. Alors avant d'entrer dans les détails de la rythmique, on va d'abord repérer les différents accords que l'on va utiliser. Comme on est dans la tonalité de si bémol majeur, le premier accord sera un si bémol septième que l'on va jouer avec l'index sur la sixième case de la corde grave, le majeur sur la sixième case de la quatrième corde et l'annulaire sur la septième case de la troisième corde. On n'utilisera ni les deux cordes aiguës ni la cinquième. Or, comme on va devoir jouer les quatre cordes les plus graves avec le médiator, pour éviter que la cinquième corde ne résonne et ne crée de bruit indésirable, on va l'étouffer en couchant légèrement l'index sur cette cinquième corde pour l'empêcher de résonner. Ainsi, si on joue les quatre cordes graves, on aura bien un bruit percussif sur la cinquième corde qui passera inaperçu au milieu des trois autres notes. Et donc là, on a le si bémol septième. Le deuxième accord sera un mi bémol septième qui correspond au quatrième degré de la tonalité. On va le jouer avec le majeur en sixième case de la cinquième corde, l'index en cinquième case de la quatrième corde et l'annulaire en sixième case de la troisième corde. On n'utilisera donc pas la corde grave ni les deux aigus. Donc là, on a les trois notes principales de notre accord mi bémol septième. On reviendra ensuite sur le si bémol septième que l'on a déjà vu. Puis par la suite, on va passer sur un Fa septième qui va être exactement la même position que le Si bémol septième, mais reculé jusqu'à la première case. Donc on a l'index et le majeur en première case, et l'annulaire sera sur la deuxième case. Toujours en étouffant la cinquième corde. On passera ensuite de nouveau sur un Mi bémol septième, mais cette fois que l'on va jouer avec exactement la même position que la précédente. Donc on va faire glisser tous les doigts jusqu'à la onzième case cette fois. Donc l'index et le majeur sont sur la 11e case, tandis que l'annulaire est sur la 12e. Toujours en étouffant la 5e corde. Donc là, on a un mi bémol 7e qui est une variante de celui qu'on jouait ici. Et enfin, le dernier accord sera un Fa 7e dièse 9. Donc on va se baser sur la position de mi bémol 7e que l'on avait tout à l'heure, que l'on va avancer de deux cases jusqu'à la note Fa en huitième case de la cinquième corde, et donc l'index est sur la septième case en dessous et l'annulaire sur la huitième case encore en dessous. Mais on va en plus ajouter le petit doigt sur la neuvième case de la deuxième corde, qui correspond habituellement à une tierce mineure, mais ici comme on a déjà une tierce majeure, c'est déjà un Fa majeur, la tierce mineure ici va être considérée comme une neuvième augmentée, d'où l'appellation dièse 9. Donc ça crée une dissonance entre la tierce majeure et cette neuvième augmentée. Mais dans le contexte du blues, c'est une dissonance qui passe très bien. À la main droite, on va jouer au médiator en aller-retour et on va se baser sur un débit rythmique à la double croche, c'est-à-dire qu'on va diviser les temps en 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il y aura 16 coups de médiator par mesure, puisqu'on a 4 temps par mesure et 4 coups de médiator par temps. Et on fera en sorte de maintenir ce mouvement régulier de la main droite en permanence, y compris dans les moments où on laissera résonner les notes, ce qui fait que, après avoir joué un accord, on pourra éventuellement bouger le médiator à vide sans toucher les cordes pour laisser ces dernières résonner. Et à d'autres moments, on touchera les cordes, mais en ayant relâché les doigts à la main gauche pour étouffer les cordes et donc créer ce qu'on appelle des notes mortes, ou des ghost notes, qui permettent d'avoir des bruits percussifs qui remplissent les vides. Et par moment, on jouera des accords, donc on touchera soit les quatre cordes graves, soit les quatre cordes centrales, ou parfois juste la cinquième, la quatrième et la troisième corde, selon les positions d'accords. Et à d'autres moments, on jouera des mélodies, donc on se concentrera sur des cordes seules. Donc commençons par détailler la rythmique principale sur le premier accord, le si bémol septième. Alors on va commencer par la basse de l'accord, donc la sixième corde, qui va être jouée seule, avec un coup de médiator vers le bas. Cette note va durer pendant trois quarts de temps, donc on va pouvoir remonter et descendre le médiator à vide pour la laisser résonner. Ce qui fait que le médiator va se retrouver vers le bas et on va pouvoir enchaîner avec un coup vers le haut sur les quatre cordes les plus graves. Ces notes ne résonnent que pendant un quart de temps, après quoi on va faire des notes mortes, donc comme je le disais, on va relâcher les doigts à la main gauche en les laissant en appui sur les cordes afin que ces dernières soient étouffées, et on va jouer deux coups, un coup vers le bas et un coup vers le haut, toujours sur les quatre cordes graves. Après quoi on réappuie avec les doigts à la main gauche et on joue deux fois l'accord, donc bas, haut, toujours sur les mêmes cordes. Donc ça va nous donner la basse toute seule,
on monte, on descend à vide, l'accord, deux fois des notes mortes, et deux fois l'accord. Après ça, on relâche de nouveau les doigts à la main gauche, et on va faire deux fois des notes mortes, mais cette fois uniquement sur les cordes centrales, les deux cordes centrales, bas, haut. Pourquoi on ne joue pas sur toutes les cordes? Parce qu'en réduisant le mouvement, ça va nous permettre d'être plus précis sur les notes qui vont suivre, qui seront des notes isolées. Puisque là, donc, on va passer sur la sixième case de la troisième corde avec l'index. On joue un coup de médiator vers le bas sur cette troisième corde. Aussitôt après, on va faire une liaison, un hammer-on, en tapant sur la septième case avec le majeur, sans rejouer avec la main droite. Donc on fait une liaison entre ces deux notes. On passe aussitôt sur la huitième case de la quatrième corde avec l'annulaire et un coup de médiator vers le bas. On a une note morte sur cette même corde, donc on relâche le doigt et on fait un coup de médiator vers le haut, avec la corde étouffée. Puis on passe sur la sixième case de la même corde, un coup de médiator vers le bas. Et de nouveau une liaison sur la huitième case, cette fois avec l'annulaire, sans rejouer avec la main droite. Alors ici, il est important de bien mémoriser le début de la mesure qui correspond à la rythmique qui va se répéter sur quasiment tous les accords. Et la fin de la mesure, par contre, sera variable, il y aura différentes mélodies au fil de l'évolution des accords. Sur la deuxième mesure, on reste sur le même accord, on va commencer la rythmique de la même façon, mais comme je le disais, c'est la mélodie à la fin qui va changer. Donc, on joue toujours la basse, pendant trois quarts de temps, l'accord, deux fois les notes mortes, deux fois l'accord, deux fois les notes mortes sur les cordes centrales, et cette fois, on va faire une petite montée chromatique, on va jouer sur la sixième case de la cinquième corde, avec l'index, deux coups de médiator, bas, haut, puis la septième case avec le majeur, même chose, bas, haut, et enfin la huitième case avec l'annulaire, et cette fois, un seul coup de médiator vers le bas, et la note dure un demi-temps, donc on peut remonter le médiator à vide. Pour la troisième mesure, on va jouer exactement de la même façon que sur la première. Et sur la quatrième mesure, on recommence la rythmique encore une fois sur le si bémol septième. Et la fin, par contre, va changer pour pouvoir évoluer sur l'accord suivant. Donc le début de la rythmique. Cette fois, on va passer sur la quatrième case de la cinquième corde avec l'index. Un coup de médiator vers le bas. Et là, on va avoir un silence d'un quart de temps. Donc on va devoir relâcher le doigt à la main gauche pour faire un silence et remonter le médiator à vide sans toucher les cordes. Cette fois, on n'a pas de bruit percussif. On joue la note et on a le silence pendant qu'on remonte le médiator. On a alors une note morte cette fois, donc on joue avec le coup de médiator vers le bas. On passe sur la cinquième case où on peut avancer l'index, puisque ça va nous aider par la suite pour enchaîner sur l'accord suivant. On joue avec un coup de médiator vers le haut cette fois. Et deux fois des notes mortes, donc on relâche le doigt et on fait bas, haut, toujours sur la même corde. Et là, on va passer sur le deuxième accord, le mi bémol septième, où on va placer donc le majeur sur la sixième case et placer les autres doigts comme on l'a vu. Cette fois, l'accord va être joué donc sur les cordes 5, 4 et 3. Donc la basse correspondra à la cinquième corde, que l'on joue vers le bas, toujours trois quarts de temps, donc on remonte et on descend le médiator à vide, puis on joue l'accord complet, c'est-à-dire les trois cordes, avec un coup de médiator vers le haut, deux fois des notes mortes, comme tout à l'heure, bas, haut, deux fois l'accord, bas, haut, deux fois des notes mortes sur les cordes centrales, donc les deux cordes centrales, comme on avait vu tout à l'heure, et là on va passer sur une mélodie légèrement différente sur cet accord. On va passer sur la sixième case de la troisième corde, comme on l'avait fait sur l'accord si bémol septième, un coup de médiator vers le bas, mais au lieu de passer sur la septième case, on va faire une liaison sur la huitième case cette fois. On ne rejoue pas avec la main droite, puisque c'est la main gauche qui fait la liaison. On passe ensuite sur la sixième case de la corde du dessus, avec l'index, un coup de médiator vers le bas, une note morte, donc on relâche le doigt et on fait un coup vers le haut, de nouveau la sixième case, un coup vers le bas, et une liaison sur la huitième case, comme on l'a fait sur la corde précédente. On recommence ensuite sur le même accord avec la même rythmique.
Et là, on va avoir une petite variante mélodique. On va passer sur la huitième case de la troisième corde, avec l'annulaire par exemple. On joue cette troisième corde. Et on va faire un glissé jusqu'à la dixième case, sans rejouer avec la main droite. Donc la huitième case, on glisse jusqu'à la dixième. Et on passe ensuite sur la neuvième case de la deuxième corde, avec le majeur par exemple, et un coup de médiator vers le bas. Et cette dernière note va résonner pendant un temps complet. Alors on peut même laisser la note précédente résonner. Comme ça, les deux cordes se superposent. Et on laisse tout ça résonner, donc sur le dernier temps de la mesure. On repasse alors sur la rythmique principale, la même chose que la première mesure. De nouveau, le si bémol septième. Et là, on va avoir une petite descente de basse, donc sur le même principe rythmique que ce qu'on avait fait lors des précédents changements d'accords, mais cette fois, on va jouer sur la quatrième case de la corde grave, un coup de médiator vers le bas, le silence que l'on avait eu tout à l'heure, donc on remonte le médiator à vide sans jouer la corde, on a une note morte, donc on joue vers le bas, toujours avec la corde étouffée, on passe sur la troisième case, un coup de médiator vers le haut, deux fois des notes mortes, bas, haut, et là, on va arriver sur l'accord suivant, qui va être le fa septième. Et donc on arrive sur la première case pour le fa septième, où on joue donc la sixième corde toute seule, pendant trois quarts de temps, on remonte, on descend le médiator à vide. Toujours pareil, on joue les quatre cordes graves avec un coup vers le haut. Deux fois des notes mortes, donc on étouffe et on fait bas, haut. Deux fois l'accord bas, haut. Et habituellement, on faisait deux fois des notes mortes sur les cordes centrales. Ici, on ne va pas le faire, on va laisser résonner les cordes. Toutes ces notes vont résonner pendant trois quarts de temps. Donc on pourra descendre le médiator à vide et le remonter, au lieu de jouer les notes mortes comme on le faisait tout à l'heure. Après quoi, on rejoue la basse toute seule, pendant un demi-temps, donc on remonte le médiator à vide. On va jouer les deux cordes centrales sur l'accord. On remonte le médiator à vide. De nouveau, la corde grave pendant un demi-temps. On remonte le médiator. Et là, on va faire un glissé pour évoluer jusqu'à l'accord suivant. Et le glissé va être assez long puisqu'on part de la première case pour aller jusqu'à la onzième où on va jouer la deuxième version du mi bémol septième. Et quand on arrive sur la onzième case, on rejoue la sixième corde de manière à rejouer la rythmique de la même façon. Donc après avoir joué la basse, on monte, on descend le médiator à vide, on fait l'accord, deux fois des notes mortes, deux fois l'accord. On laisse résonner là aussi pendant trois quarts de temps, et on rejoue la basse toute seule, on remonte le médiator à vide, les deux cordes centrales, on remonte le médiator à vide, la basse, on remonte à vide. Donc exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'accord précédent. Et cette fois, au lieu de faire un glissé vers les aigus, on va faire un glissé qui repart vers les graves, jusqu'à la sixième case, qui correspond à la note si bémol, et donc à l'accord principal. Et là, on va reprendre la rythmique principale. Donc après avoir joué la basse, on laisse résonner pendant trois quarts de temps, puis l'accord, deux fois des notes mortes, deux fois l'accord, deux fois les notes mortes sur les cordes centrales, qui reviennent ici. Et là, on va avoir une petite montée de basse pour arriver sur le dernier accord. Donc on joue sur la sixième case de la cinquième corde avec l'index, un coup de médiator vers le bas, donc on remonte le médiator à vide, une note morte, la septième case avec un coup vers le haut, deux fois des notes mortes, bas, haut, et là on arrive sur le fa septième dièse 9, donc la dernière position d'accord, et pour cet accord on va jouer sur les quatre cordes centrales avec des coups de médiator uniquement vers le bas. Donc on fait un coup vers le bas, on remonte à vide, bas, on remonte, bas, on remonte, bas, on remonte, et une cinquième fois. On joue cinq fois l'accord, donc quatre fois des croches, c'est-à-dire des demi-temps, et le dernier coup durera deux temps pour conclure la mesure. Et vers la fin de l'accord, on pourra faire glisser les doigts pour faire tomber l'accord. C'est un petit effet, alors ça peut être délicat si vous n'avez pas l'habitude. Donc si c'est trop difficile au départ, vous pouvez vous en passer. Rien n'empêche de repartir directement sur le si bémol septième pour recommencer la rythmique.
Mais si vous y arrivez, ça fait un petit effet intéressant avant de reprendre la rythmique au début. Dans un premier temps, n'hésitez pas à travailler par groupe de 2 ou 4 mesures pour bien vous mettre la rythmique sous les doigts avant de tout enchaîner, ce que je vais faire ici avec le métronome. Si vous voulez découvrir d'autres petits morceaux ou d'autres rythmiques de blues, vous pouvez consulter la formation 7 morceaux de guitare blues qui est disponible sur l'espace membre à un tarif avantageux pendant seulement quelques jours. Donc je vous invite à suivre le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitare.com.